Ouais, bon, j'ai un peu pété un câble, une fois de plus, hein, Toto le Cheval a mangé dans son cul, mais c'est normal, hein, fils de... P oh, un jour, je vais le crever Un jour, là Un jour, là Toto le Cheval Je vais, vais péter un câble Je vais te taillader, Toto le Cheval Je vais te taillader Bref... On va parler du chapitre 40 de Dragon Ball Super... Et plus ça va, plus le super dans le titre, t'as l'impression que c'est pour foutre de ta gueule. C'est pour te foutre de ta gueule. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui -ce qu se passe Qu'est-ce qui se passe Moi, je dis il faut appeler Toyotaro, il faut lui demander est-ce que tout va bien dans ta vie Est-ce que tu as des problèmes Est-ce que tu veux pas prendre des vacances Est-ce que tu veux pas démissionner Faire autre chose Prends des vacances Prends des vacances, c'est pas possible de faire des trucs pareils. Tu te demandes si le gars, il a lu Dragon Ball avant. Tu fais mais. Qu'est-ce que c'est que ce chapitre de merde Qu'est-ce que c'est que ce chapitre de merde On est dans, un, dans une période de Dragon Ball où plus rien n'a de sens. Or, ça essaye, hein, ça essaye de raconter des trucs. On va en parler. Mais là, tu vas pas me dire qu'il y, qu y a rien qui va. Il y a rien qui va. C'est complètement pourri. Dragon Ball super pourri, ça aurait dû s'appeler. Qu'est-ce que c'est que ça Putain, en plus, je te faisais confiance, Toto. Il y a encore 5-6 reviews de ça. Je disais, putain, c'est bien, rattrape les erreurs de l'animé tu fais pire à chaque fois À chaque fois, tu fais pire On croyait que le pire était passé avec le chapitre de la semaine, de, du mois dernier, mais non, tu reviens, tu recommences, encore plus loin. Pourquoi 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 on en arrive là Je veux savoir, j'ai besoin de réponses. Je perds le sommeil, la nuit, je ne dors plus, je suis obligé de frapper des animaux en peluche, pour pas frapper des humains. Parce qu'un jour, je vais péter un café, sortir dans la rue, je vais taper des gens. C'est pas possible de ne pas respecter comme ça Dragon Ball à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe Je veux connaître le nom des responsables. Je veux connaître le, le nom des responsables. Un jour, un jour, sûrement, je pense, un jour, tout est possible dans la vie. toi un jour, je vais croiser Toriyama ou je vais croiser Toyotaro. À une certaine époque, peu importe, le premier réflexe que j'aurais eu, serait de leur sucer la bite. Mais en vrai, je me serais mis à genoux, j'aurais tout, tu vois. Là, maintenant, là, dans l'état que je suis, je le croise. Aussi bien le Toriyama que le Toyotaro, faudra me retenir, pas que je le gifle. Je, je vais le gifler. C'est pas possible de faire des trucs comme ça, putain de merde. Pourquoi c'est comme ça Je veux des réponses. C'est qui qui fait chier pour que ça soit de la merde C'est pas Toyotaro qui fait de la merde de lui-même Je peux pas croire ça, c'est pas possible. C'est pas Toritama, Toriyama qui fait de la merde de lui-même. C'est pas possible. Ce mec-là est au sommet de son art à un moment donné, il peut pas avoir régressé à ce point-là. C'est pas possible, je peux pas croire ça. C'est quoi C'est la Shueisha qui casse les couilles C'est la Tori qui casse les couilles C'est quoi vous faites un pôle créatif spécial Dragon Ball, aussi bien à la Shoesha qu'à la Toei, vous me sortez de la merde pareil. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Je veux des réponses. Hashtag on veut des réponses. C'est plus possible. Bon, on va en parler de ce chapitre de merde. Alors, pourquoi c'est de la merde Parce que ça n'a aucun sens. En fait, ce qui est en train de se passer, là on est dans... A priori, euh, l'ultime arc de Dragon Ball, l'ultime tournoi, le tournoi le plus important de tous les tournois qu'il a jamais eu. On affronte les adversaires les plus puissants qu'il a jamais eu dans Dragon Ball. Tous les personnages sont au top de leurs capacités dans le manga. Ils ont jamais été aussi puissants. Leurs adversaires n'ont jamais été aussi puissants. Mais au-delà de leur puissance quasi divine, ils détruisent des galaxies, détruisent des univers, détruisent des planètes, euh, tout ce que tu veux. Que même les dieux ils regardent, oh là là, ils sont très très forts. Et eh ben, il y a deux d'entre eux, dont un qui est censé être le prochain de la destruction de son univers, et eh ben, qui perdent parce qu'ils sont pas capables de faire un, un saut de 15 mètres. Voilà, alors qu'au début de Dragon Ball, euh, Goku, quoi, tu vois que Goku, il peut faire des sauts de 50 mètres, tout seul comme ça, hop, je me suis pas entraîné, je fais des sauts de 50 mètres. Après, je m'entraîne, bah, je peux faire des sauts de 200 mètres, comme ça, sans problème. Au calme, y a aucun souci, même Krillin il peut faire ça. Ils sont petits, ils ont 10, 12 ans, tu vois. Et là, tu viens me faire croire que des mecs, au niveau de dieu, des dieux, des dieux de la destruction, vous dire les mecs qui détruisent des planètes en faisant oh Dieu, oh une planète à détruire", tu vois. Ils sont perdus sur un petit caillou à 20 mètres du ring, parce que faut s'en déconner. Alors, un mot, je sais que tu t'as eu des petits problèmes avec les perspectives sur les derniers chapitres, mais là, je suis désolé, tu fais un plan large, on voit la distance qu'il y a. Il y, y a 20 mètres à tout casser. Hein, j'ai pas poussé le vis jusqu'à prendre, euh, prendre ma petite règle pour euh, faire un, à l'échelle et tout. Mais il y a 20 mètres. Tu vas me faire croire que les gars, ils sont tellement affaiblis qu'ils peuvent pas faire un saut de 20 mètres. C'est ça que t'es en train de me dire Même s'ils sont ça, ils sont tellement affaiblis qu'ils sont moins forts que Goku Petit à 11 ans. Ils peuvent pas faire un saut. Il a une jambe cassée, topo. Non, il a rien il est juste. Oh non, j'ai été soufflé par une explosion de Vegeta. Je peux plus sauter, je vais mourir. Putain, il y a au moins 150 façons de se sortir de cette situation. Tu, sais pas, tu fais une petite boule d'énergie pour te propulser. On l'a vu même dans le manga. Dans le manga, on l'a vu, ça. C'est 17. Cinq pages après, il le fait. Pourquoi, toi, tu peux pas faire... Pff, hop, je reviens sur le terrain. Non, tu peux pas faire ça. À, à quel moment tu nous prends pour des cons À quel moment on est censé s'inquiéter pour les personnages À quel moment on est censé croire que la menace est, est crédible Les mecs, ils perdent parce qu'ils ont envie de perdre. C'est tout. Y a pas de conneries. Bon, en fait, on est nul. On n'arrivera pas à battre Vegeta et bidule, et ben on va sauter pour laisser Jiren finir. C'est normal que Jiren, il les regarde de haut, genre vous arrivez pas à sauter 20 mètres, bande de, de, de bande de crevards, bande de merde, vas-y barrez-vous, allez dans les gradins, vous me foutrez plus la paix, vous serez plus utile. Mais c'est normal Ils peuvent pas sauter 50 mètres Ils peuvent pas sauter 20 mètres 20 mètres Bon moi je les fais pas les 20 mètres Mais normal, moi je suis qu'un simple humain obèse Eux c'est des putains de dieux de la destruction, pareil hein Topo Je suis désolé. Bon, il y a eu la transformation Vegeta, on sait pas trop ce que c'est, c'est encore un truc différent de l'animé l'ultra blue je sais pas comment vous appelez ça mais dans l'animé c'était intéressant parce que ça ça, ça, ça ça marchait avec la construction de Vegeta Vegeta se transformait parce qu'il disait oui bon euh, en fait mon mode de combat euh, me bat que pour ma fierté c'est nul non en fait si je veux gagner c'est pour sauver ma femme ma famille et mon monde et donc il trouvait la force en lui de s'élever d'aller encore plus loin pour battre Topo qui lui à ce moment-là faisait l'inverse abandonné son côté amitié machin, et se battait juste pour devenir du la destruction, se battait plus par orgueil. C'est intéressant cet épisode. C'est intéressant, c'était plutôt bien fait. T'as raconté quelque chose. Et là non, tu enlèves ça. Donc Topo maintenant c'est juste un gros con qui sait pas se battre. Et Vegeta, il devient plus fort uniquement par fierté. Et c'est en ça que j'ai envie de gueuler. J'ai l'impression que en fait, en Dragon Ball, le manga, les 42 volumes, il s'est rien passé en fait. Il y a première avation de Vegeta, et puis après t'as oh, as, as complètement effacé ce qui a eu, et puis tout d'un coup fait « Oui, en fait Vegeta c'est un guerrier fier et orgueilleux qui a utilisé euh, sa fierté pour devenir puissant et surpasser Goku à un moment donné. »« Non !» Alors il y a eu le petit speech intéressant, genre « Oui, euh, moi Vegeta j'étais pas comme eux euh, à faire des, petites, euh, des petits combats dans des tournois d'armature ridicules. »« Moi pendant qu'ils étaient en train de faire une muse, moi je me battais dans des millions de batailles, euh, des milliers de batailles à travers le cosmos au péril de ma vie. » Bon, ok, c'est badass, mais euh, oui, mais c'est totalement euh, irrelevante, comme diraient nos amis américains, ça n'a aucun sens. Ce que tu me dis, jusqu'à présent, Toriyama, qu'est-ce qu'il s'est fait chier à faire dans Dragon Ball Il s'est fait chier à humaniser Vegeta. Le seul moment où Vegeta a laissé ressortir son orgueil de guerrier, sa fierté saïenne, avant le bien commun... C'est quand il s'est laissé contrôler par Babidi pour devenir Majin Végéta et qu'il a complètement pété un câble. Pour se raviser ensuite, en plus. Pour se raviser, Fera, finalement, c'est pas, pas la voie qu'il fallait. Euh, finalement, je vais plutôt me sacrifier pour les autres. Parce que j'ai découvert que l'orgueil, en fait, c'était de la merde. L'important, c'est le bien commun, c'est ma famille, euh, c'est le monde. Donc il se sacrifie face à bout On va reparler, encore, du côté sacrifice, on va en reparler. Parce que Végéta, il m'en sort une dans le, dans le chapitre. Pareil, j'aurais été sur le terrain, j'aurais giflé Végéta. Rien à foutre, il m'aurait tué après, mais je l'aurais giflé. Ferme ta gueule végète. bref. Donc à ce moment-là, il s'est passé quelque chose pour le personnage, le personnage a grandi. Le personnage a dit, bon, c'est bon, je suis plus le prince, des... je suis toujours prince des guerriers, mais... Quand même, j'ai les choses à défendre maintenant, je ne me, plus... me, bats... me bats plus juste pour la gloire. Et là, ce que tu me fais, Toyotao, et apparemment, Toriyama a dû vérifier le truc et dire, ouais, ça passe, c'est que là, vous, vous êtes tous les deux à foutre de notre gueule, t'arrives Dragon Ball Super, dernier arc de Dragon Ball Super, a priori, mais tu une suite, combat le plus important de sa vie, il fait « Ouais, euh, j'avais oublié que j'étais le prince des Saiyens que j'avais trop d'orgueil et que c'était ça le plus important. Tu, » tu, tu te fous de ma gueule Clairement, tu, tu te fous de notre gueule. L'anime avait mieux compris Vegeta que Toyo, Toyotaro et que Toriyama aussi, visiblement. Même à la fin, quand il dit à Goku « C'est toi le numéro un, sauve l'univers !» Il s'efface, il dit son orgueil, bon, on s'en fout, l'important c'est la survie du monde, il fait ça. Là, non Il dit, non, nique sa mère, euh, je suis un guerrier orgueilleux, euh, je vais tout niquer par moi-même parce que je suis le meilleur. À aucun moment, il parle de sa femme, il parle de ses gosses, il parle de la terre, il parle de machin. Pourquoi tu fais un retour en arrière pareil, hein, Goku Goku, retour en arrière, t'as l'impression que ça s'est arrêté au volume 5 de Dragon Ball et puis, pff, on, a, on a arrêté, quoi. On, on repart en arrière. Goku, qui est en train de... chapitre précédent, qui sort de la merde, je suis un mauvais élève et tout. Là, il sort encore des conneries, je vais y revenir après. Mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi vous faites ça je ne comprends pas, ça n'a aucun intérêt, c'est complètement stupide, ça raconte rien, c'est de la merde, c'est nul, c'est mauvais. Toutes les adjectifs qualificatifs que tu veux, c'est de la merde que tu le prends dans un sens ou dans l'autre, c'est nul à chier, putain. Pourquoi Pourquoi Putain, pareil, Freezer, bon, j'espère que c'est une mauvaise traduction, peut-être c'est possible, qui fait Oh non, j'aime pas trop profiter des ennemis affaiblis, alors, euh, mais je vais quand même le faire pour sauver l'univers. C'est pas tout à fait ça la phrase, mais c'est une connerie du genre. D'où tu sors ça pour Freezer, mec Freezer, c'est une salope, ça a toujours été une salope. Qu'est-ce que tu me fais Freezer, c'est le mec, première apparition, il tue des gamins pour torturer un vieux. Oh t'inquiète, je vais laisser les gamins partir. Ah, c'est gentil. Et puis fait Ah, j'ai menti, j'ai tué Ned enfin le pote à Je J'en ai rien à foutre en fait, je vais tous vous tuer, de moi Dragon Ball. C'est ça Freezer à la base. C'est le même Freezer qui, quelques chapitres de ça, a fait un plan de pute à. Comment il s'appelle À Frost, pour le niquer, juste pour l'affaiblir, pour le sortir plus facilement pour moins se fatiguer. Et là, il fait ⁇ Oh non, j'ai du scrupule à attaquer les gens ⁇ Bon, j'espère que c'était juste une petite ironie de Freezer. Mais quand même C'est gros de nous sortir ça comme ça. C'est un peu gros. Parce que nous, on l'a lu Dragon Ball, en fait. Donc on sait que pas possible, ça n'a aucun sens. Alors peut-être qu'il y a des, des, des nouveaux lecteurs qui découvrent Dragon Ball et Dragon Ball Super. Et par cela, je les plains. Je les plains parce que jamais vous serez émerveillés comme on a été émerveillés, moi, avant Dragon Ball. Quand je parlais de Dragon Ball, j'avais des frissons, j'avais la passion en moi. Maintenant j'ai des frissons quand je joue Dragon Ball Super. C'est des frissons de dégoût, j'ai la fièvre, ça me fout la fièvre, je vais dégueuler, je vais avoir la chiasse, j'ai l'anus qui s'irrite à cause de Dragon Ball Super, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais n'importe quoi C17 C'est 17, on va parler de C17. Alors là, on va parler de C17. C17 dans l'anime, pareil, MVP. MVP du tournoi, C17 il était cool il était badass il était cool il était, il était marrant il avait la classe il, il était toujours là pour sortir les, les personnages de la merde à chaque fois qu'il avait une apparition c'était utile quasiment donc dans l'animé quand tu vois qu'il se sacrifie pour défendre l'univers euh, alors qu'à la base il était plutôt chaud pour le laisser crever ils sont pas couilles, mais il disent ouais finalement c'est très humain de faire ça allez je me sacrifie bon, même si c'était une, une carabistouille mais là, tu, tu sentais l'implication, parce que ça, ça te touchait quand c'est... Moi j'en avais parlé dans ma review d'ailleurs, je sais plus quel épisode c'était. Je rote. J'en avais parlé dans ma review, ça marchait parce qu'on a eu le temps de s'attacher à ses 17 De le comprendre, il était tout le temps là, on le voyait, on le redécouvrait. Et le fait de le perdre alors qu'on s'était habitué à sa gueule, et eh bah ben, du coup, euh, bah, ça, ça nous touchait, donc son sacrifice fonctionnait quelque part. C'était un peu random, mais ça fonctionnait malgré tout. Là, bah c'est l'exact opposé. Ça marche pas, mais alors pas. Mais alors pas du tout. Voir, t'as l'impression que c'est 17, il sort ça comme ça. En fait, je me suis battu deux minutes. Euh, en fait, je vais me sacrifier, les gars. Ouais, ça me fait chier le tournoi, me fait chier. On t'a on, on vu 5 pages au début, puis t après on t'a plus revu, puis là d'un coup, ouais, je vais me sacrifier en fait. Donc euh, c'est c'est 18, écris là Vous vous occupez de mes gosses, s'il vous plaît. Euh, c'est bien gentil, je, je vais mourir. Allez, salut et en fait, je veux protéger ma famille. Euh... Or, l'intention est bonne. Mais euh, l'exécution est, est, est minable. Est minable. J'y ai pas cru, j'ai pas eu le frisson. Je suis... Ah non, bah je savais qu'il allait crever parce que c'était dans l'animé. Dans, 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 dans mais je pensais que j'aurais eu le frisson à un moment donné quand même. Non, rien que dalle. Je suis... Oh, ouais, il va mourir euh... déjà. Hein Comme ça, quoi En 5 pages, tu qu Quoi C'était nul. C'était nul à chier. C'était nul à chier pour les raisons que je viens de t'expliquer. Et pareil. Comment ça se fait Putain, tu, tu nous fais une scène pour nous dire qu'il est en train d'un peu de renouer re avec sa sœur, des trucs que le, Dragon Ball Super avait bien fait, hein, tu vois, ses 17 renouer avec sa sœur, c'était intéressant. Pourtant l'animé c'était de la merde, hein, mais il y, y a eu des bons trucs quand même. Notamment ça. Là, il a rien eu du tout. Là, il voit son frère, ça si l'a pas vu, je sais je sais pas combien d'années, il fait je vais me sacrifier pour sauver la terre là t'as fait Ouais, t'inquiète Et elle reste comme ça, et t'as même pas une réaction, t'as même pas, t'as même pas fait l'effort de faire une petite case où tu vois la réaction de ces 18 au sacrifice de c 17. Il a que Krillin qui fait « Oh non, comment je vais expliquer ça à ces enfants ?» Et il passe direct à autre chose, même Piccolo s'en bat les couilles. « Ouais, ouais, bah, en fait, c'est pas grave, parce que... Gernier est pas mort, en fait. Et donc, euh, on s'en fout. » Et Vegeta qui sort une réplique, mais... Mais là, j'ai envie de te dire, mais... Mais, mais là, je suis, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. j'ai je... oh, eu un choc, j'étais pas bien. J'étais en sueur, j'ai eu une, une suée. J'ai eu une bouffée, une bouffée, une bouffée de chaleur. J'étais pas bien. Vegeta, il fait... Il s'est sacrifié, euh, c'était inutile. Y, y a que moi ou non, non Vegeta, j'en parlais tout à l'heure. Vegeta, qu'est-ce que qu t'as que fait face à bout Tu t'es tu, tu fait exploser Alors, c'était inutile aussi. Alors pourquoi tu pourquoi tu te moques de lui Je comprends pas j'ai pas compris cette phrase un sacrifice inutile je sais même pas quoi dire là, là pour une fois je sais pas quoi dire je, tu, tu, comment tu peux oser -à dire à un moment il ya plein de gens qui ont vu ce chapitre et se sont dit non il a pas de problème avec cette phrase non il a aucun problème ça passe non c'est cool c'est stylé franchement tout à fait végétal c'est non puis 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 puis, puis, puis c'est après ça que Goku il décide de dire euh, oui euh, en fait je me transforme en Ultra Instinct maintenant parce que euh, en fait euh, avant j'étais distrait par autre chose euh, du coup euh, du coup je, je vais me battre je, il faut que je continue de, de grandir de progresser bon il y a eu une petite polémique parce que la première version de la traduction disait euh, oui il faut que j'arrête de laisser tomber tout le monde il est temps de grandir Bon, alors, j'aurais ultra gueulé sur la première... Euh, sur la deuxième phrase que je viens de te dire là, mais la nouvelle phrase est pas beaucoup mieux, hein. en fait. Pourquoi Goku dit, je ne dois plus me laisser distraire. Faire attention à ceux qui m'entourent. Je dois continuer de grandir. Donc t'es en train de me dire, si j'ai bien compris, que... Euh, en plus c'est bizarre parce que la situation ce qu'il voit, c'est 17 se sacrifier. Voir altruisme pour euh, sauver ses enfants, pour sauver son monde, sauver son univers. Et Goku, suite à ça, voit ça, se transforme et dit Je ne dois pas me laisser distraire par ce qui m'entoure, je dois continuer de grandir. Donc il y a un gars qui se sacrifie pour l'univers et là tu fais En fait, il faut que j'arrête de penser au monde autour de moi, il faut que je, je continue de grandir. Donc je prends la voie plus végétalesque qui n'est pas du tout végétaliste, puisque comme je vais te l'expliquer tout à l'heure ça n'a aucun sens donc Goku fait l'égoïste du coup il fait oui euh... bon il a toujours été un peu égoïste dans Dragon Ball Super mais là il fait non je je faut que j'arrête de me fait, de me laisser distraire bon par quoi il se fait distraire en fait ça je comprends pas par quoi il se fait distraire tu te fais distraire par quoi Goku j'aimerais comprendre c'est à dire que tu te fais distraire par le fait de devoir sauver des gens c'est ça que tu dis ou c'est pas ça que tu dis et je comprends pas parce que je vois pas par quoi es dérangé Goku a... ça peut être que ça donc t'es en train de me dire, en fait, j'en ai rien à foutre de sauver le monde, je vais grandir pour devenir plus fort. Ou, ou alors c'est moi qui délire, parce que je n'ai pas compris cette phrase, encore moins que l'autre, en fait. C'est quoi qui te distrait, Goku S'il y en a qui ont la réponse dans les commentaires, allez-y, hein, parce que moi j'ai pas compris. Parce que, Au chapitre d'avant, on est bien d'accord que euh, Miten Roshi lui faisait la morale. Oui, es trop euh, manipulé par la quête de puissance, alors que les arts martiaux c'est pas que ça, euh, pense à éviter les coups de poing. Donc, au coup, le fait, parce qu'il dit que finalement les arts martiaux c'est que ça, et puis qu'il a des trucs à protéger, mon cube tout chouette, et juste après fait, je vais plus me laisser influencer par les trucs extérieurs, je, je vais plus me laisser distraire, je dois continuer de grandir. Donc, ça veut dire que ton objectif, à partir de maintenant, c'est la puissance, ce n'est pas de sauver les gens, c'est la puissance, parce que le seul truc qui était susceptible de te distraire, c'était de sauver les gens, sauver ton monde. Dans ce cas de figure-là, parce que ton personnage est devenu tellement creux que c'était soit sauver le monde, soit avoir de la puissance. Donc si tu laisses tomber ce qui te distrait pour avoir plus de puissance et continuer de grandir, tu laisses tomber le côté héroïque. Ou c'est moi qui déconne. Donc ça n'a encore plus, ça a encore moins de sens que le côté euh, j'en ai marre de laisser tomber tout le monde. Il faut que je grandisse. J'aurais pris de limite préféré que tu laisses cette phrase-là, hein, parce que ça n'a aucun sens l'impression que Goku, ils l'ont, il est vide, ils ont tout expurgé, le truc qu'il y avait dedans. Il y a plus de Goku, c'est juste un mec habillé en orange qui change de couleur de cheveux toutes les cinq minutes. C'est pas possible. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est nul, et c'est quoi cette transformation ultra instinct pété Genre, euh, en fait ça y est, je suis en super euh, ultra instinct. Putain, tu te souviens de la première, la pro le volume, la première fois que tu vois la transformation de Super Saiyan. Moi, encore aujourd'hui, j'ai la voix, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule, je putain, c'est génial. Même la première fois que Végétal est dans Super Saiyan, t'es là, oh putain, le truc de fou. La première transformation de truc dans Super Saiyan, t'es là, oh putain, c'est génial. Gohan et CJ2, Gohan et 1 même t'es là, t'es là, oh, c'est magnifique. Là, t'es là, déjà, il a une drôle de gueule, c'est quoi ce truc de merde Et en plus, c'est pas du tout stylé, t'es là, pas les couilles, pas les couilles, c'est nul, c'est mauvais c'est pas bien pareil Jiren putain déjà dans l'animé c'était c'était un peu de la merde mais t'as fait encore moins bien encore une fois hein. Jiren c'est juste voilà je t'ai résumé Jiren tu veux résumer Jiren je suis le plus fort voilà nul à chier bosser nous faire un teasing sur son maître à Jiren mais j'y crois pas une seconde il y aura rien du tout sur le maître à Jiren y aura rien du tout c'est juste pour dire donc moi j'ai envie de savoir parce que dans l'anime, quand Goku a battu Jiren, il a fait Moi j'ai gagné parce que. Euh, la force de l'amitié. Tu vois, bon, c'est un peu de la merde, c'est un peu cliché, mais au moins il y avait quelque chose. J'ai gagné parce que j'ai cru. On, on s'est battu en équipe pour sauver notre univers. J'ai mis de côté mon ego. Euh, pour, euh, pour le bien commun. Et que c'est le truc que Jiren n'a pas été capable de faire. C'est pour ça qu'il a perdu. Mais à partir du moment où tu vois Goku qui me dit Je vais arrêter de me laisser distraire. Et continuer de grandir. Et que Jiren est dans la même philosophie. Il va gagner à quel niveau Le niveau moral. Il n'aura pas l'ascendant moral sur Ishiren, euh, Goku. Donc le combat n'aura aucun sens. Ça sera juste un combat euh, pour se taper dessus, quoi. Bon, il y a l'enjeu de surv survie des univers, mais ça sera juste un combat. Il n'y a pas de combat idéologique. Dans Dragon Ball, les combats sont avant tout des combats idéologiques. Là, je ne comprends pas. À moins que Goku euh, retourne sa veste encore une fois en disant Oui, j'ai oublié de penser à mes amis. Ce qui n'aurait aucun sens à ce qu'il vient de dire là tout de suite. Je ne comprends pas. Où ça veut en venir et, et, et c'est vraiment de pire en pire. Heureusement, on arrive bientôt à la fin parce que je crois, même si ça fait des vues et que la passion avant tout, je crois que j'aurais rasé quitter, ne serait-ce que pour ma santé, pour mon bien-être personnel, parce que ça devient n'importe quoi, mais de A jusqu'à Z, jusqu'à Dragon Ball Z, j'ai envie de te dire même, moi je fais des jeux de mots de merde aussi. Ça n'a aucun putain de sens. Je repose la question à nouveau. Pourquoi avoir fait cet arc et pourquoi l'avoir fait de cette manière-là Il n'y a aucune raison artistique valable ou scénaristique valable pour nous pondre une connerie pareille. Surtout qu'avant, jusque-là, le manga était tout à fait correct. Ah, le chapitre de Dragon Ball, les chapitres de Dragon Ball ressemblent à ça pour des raisons purement marketing. Il faut se dépêcher, il y a le film qui arrive dans trois mois. Il faut que dans trois mois, le manga ait rattrapé le film pour promouvoir le film. C'est forcément ça. Je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Je, 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 je pense que Toyotaro, il est en souffrance là. C'est pas possible. Il dit, putain, je obligé de faire de la merde. J'étais en train de réaliser mon rêve de dessiner Dragon Ball officiellement. Et on me force à faire du caca comme ça. Il doit savoir qu'il fait de la merde. Et pire, Toriyama doit savoir qu'il fait de la merde. Mais il laisse passer. T'as pas assez d'argent, Toriyama, à un moment donné Je pense qu'à un moment donné, t'as assez d'argent. Je pense qu'à un moment donné, quand tu fais un projet, arriver à ton âge, avec, avec ton palmarès, avec euh, tout le fric que t'as, c'est pour la passion que tu le fais. Pourquoi tu ne nous injectes pas un peu de passion Où c'est que j'ai ressenti la passion dans Dragon Ball Super dans cet arc de merde Bah nulle part, c'est nul. C'est à chier. Pourquoi vous, fa pourquoi vous faites ça Putain, de toute façon, tu seras jamais aussi bon Toriyama que tu l'as été sur Dragon Ball. Tu seras. T'as été. Le. Le pic de ta carrière est passé C'est mort Fais un truc bien quand même Fais un effort Pourquoi tu produis ça Moi je comprends pas Bon, la question, pourquoi je continue à le lire, aussi Parce que, je sais pas, je me sens un peu comme une femme battue. Tu sais, tu, 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 tu sais que toi, tu vas te taper dessus, mais tu, 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 tu l'aimes quand même, tu, tu, tu lui pardonnes, tu fais « Non, mais... » Ça lui passera. Puis ça lui passe pas. La semaine d'après, il te, te recastagne la gueule. Puis c'est tout. Voilà. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre de Dragon Ball Super. Sinon, je peux continuer à me plaindre pendant une heure, mais au bout d'un moment, je sais que tu kifferais, mais... Au d'un moment, j'ai autre chose à foutre. Donc voilà, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est mauvais, c'est ni fait ni affaire. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Avant, je finissais, Dragon Ball, c'est la vie. Mais je peux pas, je peux pas dire ça. Avec un chapitre comme ça. Je passe pour un menteur si je te dis Dragon Ball, c'est la vie. C'est n'importe quoi. C'est un concentré de sida, là. Le truc qui nous balance. ouais, C'est de la merde, c'est nul. Voilà, bref, sur ce, je te laisse me dire ce que as pensé de ce chapitre en commentaire. Laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. T'abonner, aller faire un petit tour sur YouTube euh, pour soutenir la chaîne. Hein. Tu mets une petite pub de 30 secondes et je gagne quelques malheureux deniers. Et j'ai la flemme de faire de la pub pour les autres trucs. Là, je suis... j'ai pas le moral, là, je suis pas bien. Je vais aller me faire un casse-croûte. Et faire dodo, la journée ai cul. Voilà. Allez sur ce, à bientôt. Eh hey oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu, hein. Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.